Bonsoir. Merci de l'invitation. Merci d'introduction. Merci d'invitation. Ça fait déjà pas mal d'années que le Centre de gestion scientifique de l'École des mines collabore avec l'INRA en particulier. On a eu de longues histoires ensemble. Un certain nombre de choses que vous verrez développer ici ont d'ailleurs été très souvent développées d'abord, ou en tout cas en même temps, avec le monde de l'agriculture, de la recherche. Souvent parce qu'il présentait un rapport aux objets, un rapport aux institutions, qui était finalement assez innovant et parfois assez en avance par rapport à des choses qu'on pouvait voir se développer ensuite dans le monde industriel. Et de ce point de vue-là, c'est toujours un plaisir d'échanger avec l'INRA parce qu'on découvre à chaque fois des choses nouvelles. Alors ce que je vais vous présenter, c'est quand même le résultat des dernières années de travaux. Alors ça prend le cadre institutionnel aujourd'hui, le travail de recherche sur la conception se déroule dans le cadre d'une chaire, théorie et méthode de la conception innovante, qui est financée par 11 industriels, donc 4 qui ne sont pas des géants, qui sont on est très contents d'avoir des PME ou des ETI. Et le travail sur les théories de la conception aujourd'hui, toujours dans un souci scientifique, il prend place dans deux académies, si on peut dire. Une première académie qui est celle des sciences de gestion, et puis une deuxième académie qui est plutôt celle des sciences de l'ingénierie. Dans la première, on discutera plutôt des questions de processus, de coordination, d'organisation. Dans la seconde, on aura tendance à mettre l'accent sur la question de la modélisation, sur la question des théories, des formalismes qui permettent de décrire les bases de l'activité, et en particulier l'activité de conception. C'est donc deux académies qui dialoguent finalement pas tant que ça, et donc il y a aussi un enjeu à réussir à les faire travailler ensemble. Du point de vue des programmes de recherche, aujourd'hui, grâce notamment au soutien du monde des écosystèmes et du monde socio-économique, on arrive à avoir un programme de recherche qui couvre en fait pas mal de dimensions, puisqu'on va aller depuis des théories formelles assez pointues jusqu'à des questions qui vont toucher, alors bien sûr, des organisations. On va toucher des questions de sciences cognitives, dont je parlais un petit peu, des questions qui vont plutôt tourner autour de l'économie, des dimensions qui dépassent l'entreprise stricto sensu. Et puis aujourd'hui, on va aussi aller dans la question de la réception dans des mondes qui sont plutôt ceux des objets intelligents ou des applications, des choses comme ça, avec un enjeu derrière qui est celui du discours critique sur l'innovation. Voilà un peu le programme de recherche de son ensemble. Sur quoi je vais penser discuter grâce à M. Boiffin, genre central exposé. Le point sur lequel je voudrais finalement travailler avec vous, c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui qu'il y a des nouvelles façons de travailler ensemble sur les questions d'innovation, des acteurs nouveaux qui apparaissent, qui ne sont pas les directions d'innovation qu'on croise dans les entreprises, qui ne sont pas non plus les start-up ou les entrepreneurs, et qui jouent aujourd'hui un rôle assez important pour la mise en mouvement d'écosystèmes. Alors on les avait appelés d'un joli nom qui étaient les architectes de l'inconnu. J'essaierai de vous montrer pourquoi dans certaines situations, on voit apparaître des acteurs. Alors presque pour aller, désolé pour jouer le paradoxe, mais dont le rôle n'est pas la compétitivité directe, mais au contraire, il est directement l'innovation pour l'innovation. C'est-à-dire l'innovation au sens où, de temps en temps, eh bien, il est important pour la société, pour les mondes dans lesquels on vit, de renouveler les produits, les services. Et ces architectes vont jouer finalement d'abord la carte du renouvellement pour la valeur en tant que telle qu'il tient, le renouvellement des valeurs, de la façon de vivre ensemble, etc. Et finalement, leur rôle économique sera un rôle de second ordre. C'est-à-dire qu'ils tiendront les entreprises qui permettront, elles, d'innover après, mais ils apparaîtront, eux, sans avoir forcément d'enjeu de profit ou de bénéfice, mais d'abord un enjeu plutôt socio-économique, presque direct, quoi. Sans médiation. Autrement dit, pour le dire un peu bêtement, on a tendance à dire que l'innovation est là pour faire du bénéfice, pour faire de l'emploi, mais en fait, ces architectes, ils vont revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Ils vont dire que l'innovation, elle est d'abord là pour prendre un très vieux mot, mais qui est presque l'ordre du progrès. Donc c'est un peu ça qu'on peut discuter avec. Alors, avant d'en venir là, il y a d'abord un premier enjeu, et c'est normal, quand on parle d'innovation, on a un petit souci. C'est d'un point de vue historique, on entend partout l'innovation, c'est nouveau, c'est important, etc. Faut quand même être raisonnable, c'est-à-dire que la première chose, c'est de se demander ce qu'il y a de nouveau dans la question de l'innovation contemporaine, en particulier parce qu'en gros, nos écosystèmes industriels, ils ont appris à innover depuis à peu près 150 ans, hein, pour être sages, et ça fait à peu près 150 ans qu'on a inventé l'entreprise à R&D, le laboratoire de recherche. Bon, c'est un peu plus récent, mais le studio de marketing, le studio de design, ça a 80 ans. Donc globalement, on est quand même sur des vieilles choses. Un des points importants, c'est de demander ce qu'il y a de nouveau dans la question de l'innovation et pourquoi les vieilles recettes qui, d'une certaine façon, ont fait leur preuve,
eh bien, on a peut-être besoin aujourd'hui d'être complété par autre chose. Dans un second temps, on verra par quoi il y a un enjeu à les compléter. Dans un troisième temps, je reviendrai sur les questions d'organisation. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la question de l'innovation? Ça prend un peu de temps, et dans le temps imparti, ce n'est pas possible. Mais il faudrait d'abord expliquer que l'innovation contemporaine, ça n'est pas l'entrepreneur dans son garage. L'innovation contemporaine, c'est d'abord des bataillons d'ingénieurs, techniciens, chercheurs, par centaines, par milliers, qui se font fort d'améliorer les prestations, les services et les connaissances dans un certain nombre de produits qu'on connaît bien, des voitures, des services hospitaliers, des contrats d'assurance, des avions, des trains, et bien sûr, dans tout le monde, les produits, les fleurs, les végétaux, et ainsi de suite. S'il y a quelque chose de nouveau, c'est pas là. S'il y a quelque chose de nouveau, la première chose, c'est que, brutalement, on voit apparaître des objets qui, du point de vue simplement de leur définition, posent problème. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher un iPhone ou même une Twizy, là, je vais montrer une voiture, qui est une voiture qui n'est pas une voiture. C'est une voiture qui se conduit sans permis et qui n'a que deux places. Mais elle est électrique. Et puis, elle roule seulement à 80. Hein. Et puis, voilà, c'est des propriétés de mobilité un peu bizarres. Et puis, c'est pas une voiture. Pas dans le sens strict de la législation, c'est pas une voiture. Mais même ça, le Vélib, par exemple, c'est un vélo qui est un transport collectif. Bon, ça commence à vieillir, ces choses-là, mais... un vélo qui est un transport collectif, bah, c'est ni la RATP qui peut le faire, ni non plus Decathlon. Donc il y a un nouvel acteur qui va apparaître capable de dire bah, « moi je fais des vélos pour que tout le monde puisse se déplacer collectivement », ce qui est un peu étrange. Et puis des choses comme ça, on en a beaucoup, et parfois elles ont des propriétés un peu perturbantes. Celui-là est assez joli, parce qu'on commence à en avoir des effets massifs. Quand le consommateur d'électricité devient un producteur d'électricité, ça complique quand même la gestion des réseaux électriques. Ça complique beaucoup, beaucoup de choses, mais en même temps, ça ouvre plein de possibilités. Donc d'abord, des objets qui vont avoir tendance à ne pas suivre la définition qu'on leur donne dans le dictionnaire, ou la définition qu'on leur donne dans un bureau d'études, ou qu'on leur donne à un département marketing. Et du coup, une façon d'organiser les filières industrielles qui n'est plus centrée sur un objet qu'on améliore, mais plutôt sur des grands mots d'ordre un peu flous. Aujourd'hui, on va dire, ah, ça, c'est important que la France soit positionnée sur le cloud computing. Oui, mais ça veut dire quoi, cloud computing? On ne sait pas très bien, en fait. Et c'est normal. Car la seule chose qu'on puisse dire raisonnablement sur le cloud computing, c'est que ce qu'on en sait aujourd'hui, ça sera très très différent demain. Alors, on fera certainement des choses dans le cloud computing qui n'ont rien à voir avec ce qu'on y fait aujourd'hui. Mais smart cities, biomass, home networking, on aurait pu dire big data, parce qu'aujourd'hui la mode big data, là aussi ce que c'est que le big data, on ne sait pas très bien, mais on sent bien que ça va être une source d'invention, de choses essentiellement extrêmement intéressantes. Alors, pas toujours, c'est ça le problème. Je vais y revenir. Dernière chose, ça perturbe aussi les filières industrielles, puisqu'on avait tendance à dire, bah, y a des donneurs d'ordre, il y a des intégrateurs, des fournisseurs, etc. On avait une chaîne de valeur. Si le monde est comme ça, si les objets changent d'identité, alors on ne sait jamais très bien qui sont les clients, on ne sait jamais très bien qui sont les fournisseurs, on ne sait jamais très bien quelles sont les disciplines, on ne sait pas quels sont les métiers. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas non plus quelles sont les universités, quelles sont les formations, quelles sont les carrières. Ça perturbe globalement assez profondément nos écosystèmes industriels. C'est-à-dire, on n'est plus du tout certain qu'en ayant une formation d'informaticien dans les années 90 ou 2000, eh ben on sera encore dans les bonnes logiques et d'innovation de l'industrie, ne serait-ce que celle de 2010 ou 2020. Donc ça bouge très vite, ça suppose des formes d'organisation des écosystèmes nouvelles. On va avoir des entreprises organisées complètement, prendre complètement en charge leur écosystème amont et leur écosystème aval. Bon, l'exemple le plus massif, c'est le cas du semi-conducteur, où des joueurs comme Intel vont complètement organiser à la fois l'exploration des usages nouveaux des puissances de calcul, et de l'autre, et payer pour ça, et en fait on dirait que jamais récolter un centime, et puis de l'autre côté, complètement prendre en charge la filière amont, tout l'amont de leur filière, les inventeurs, les recherches, bien sûr les fournisseurs, ainsi de suite. Donc on a besoin sans doute de fortes nouvelles pour faire face à ce défi d'innovation. Alors, d'autant plus besoin que si on ne fait rien, ça a plutôt tendance, alors on a tendance à dire l'innovation c'est formidable. Attention, il faut quand même rappeler qu'il y a des effets négatifs massifs dans les situations d'innovation. Les taux d'échec sont absolument monstrueux. Je ne vais pas avoir le temps de passer tout en revue, mais les taux d'échec sont absolument terrifiants. Dans ces situations où on ne sait pas très bien ce qui va sortir, un des phénomènes les plus avérés, c'est celui des bulles spéculatives sur l'innovation, c'est-à-dire qu'on va avoir un engouement sur la biomasse, brutalement la biomasse de troisième génération, on y met des millions, et puis, brutalement, six mois plus tard, ou deux ans plus tard, eh ben, c'est le reflux, tous les sous repartent, et généralement, c'est un champ de ruines. Les taux de croissance des startups du venture capital sont calamiteux,
que notre charge capitale aujourd'hui a des taux de rendement qui sont inférieurs au livret A, dans certains domaines, dans un domaine très bon rendement de domaine. Et puis des phénomènes assez étranges qu'on ne pouvait pas soupçonner, sur lesquels je reviendrai, des situations, ce qu'on appelle l'innovation orpheline. C'est-à-dire des cas, je vous en montre deux, mais on pourra en trouver certainement d'autres. Prenez par exemple la sécurité des deux roues. Un truc relativement simple, gravissime depuis 30 ans, sur lequel on explique depuis 30 ans que c'est la première ou la seconde cause de mortalité des jeunes. Sur lequel il y a énormément d'argent de R&D investi, sur lequel, en gros, il y a un consentement à payer. N'importe quel parent, à partir du moment où vous mettez votre enfant sur un scooter, vous êtes prêt à payer relativement cher pour qu'il ne se tue pas sur ce scooter. Donc il y a un consentement à payer évident, et pourtant, depuis 30 ans, on n'a quasiment pas fait de progrès. C'est terrifiant. Hein. Vous avez là la courbe de ce qu'on a su faire sur les blessés, sur les voitures, et la courbe de ce qu'on a su faire sur les deux roues. C'est très bizarre. C'est un phénomène. Alors, j'en ai pris un nom peut-être un peu plus dans votre domaine, qui était la question de la construction en chambre, qui a été un domaine qu'on a eu l'occasion d'étudier avec vous d'ailleurs, un peu de façon approfondie. Si vous prenez la construction en chambre au cours des années 80 et jusqu'à peu près au milieu des années 90, pendant 15 ans, il va y avoir plein de petits entrepreneurs qui vont se lancer pour mettre du chanvre en matériaux naturels, dans la construction, etc. Et ça ne va rien donner. Pendant 15 ans, ils vont tous s'épuiser et laisser leur chemise, et il ne se passe rien. Et c'est pas que les gens n'y croient pas, c'est-à-dire eux ils y croient, là aussi il y a de la R&D, là aussi apparemment il y a une demande, et pourtant ça ne décolle pas. Donc on va avoir des situations dans lesquelles apparemment les conditions sont là, et pourtant on ne s'en sort pas. Ça ne fera pas. Alors, tout ça pour dire que sans méthode, sans théorie et sans organisation, c'est en fait extrêmement difficile. Et le point intéressant, c'est d'essayer de comprendre d'abord pourquoi. Alors, des méthodes, en fait, il y en a plein. Hein, aujourd'hui, il y a quelques années, je n'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez... sensible à ce genre de mode, mais on va vous parler d'open innovation, de co-design, de brainstorming, de living lab, il y a comme ça plein de mots d'ordre et qui sont censés être des bonnes pratiques pour améliorer la capacité d'innovation et attention à la compétitivité de l'innovation. Est-ce que c'est efficace? C'est difficile à dire. Ce qui est en tout cas à peu près sûr, c'est que c'est pas formidable. Un des trucs, par exemple, le brainstorming, un truc qu'on ressort assez généralement, il y a quelque chose qui a été très étudié par les en psychologie de groupe, s'il y a un résultat sûr en brainstorming, c'est que ça ne marche pas. Ça, bon, on peut être sûr. Vous mettez 10 personnes à travailler sur un thème innovant dans 10 salles différentes, et 10 personnes, vous faites des opérations qui vont bien, hein, 10 mêmes personnes dans une seule salle, vous comptez le nombre d'idées produites, soit les doutes, ainsi de suite, hein, vous comptez soit en quantité d'idées, soit en idées originales, et il y a en gros un différentiel d'un ordre de grandeur. C'est pas quelques pourcents, hein, ça joue d'un 1 à 10. C'est monstrueux. Ça a été identifié depuis les années 70, c'est un résultat très ancien. Ça a été identifié depuis assez longtemps. Alors, en particulier, il y a plein de bonnes raisons pour que ça ne marche pas, mais une des raisons intéressantes, c'est qu'il y a une raison d'abord cognitive. C'est ainsi les psychologues qui ont bossé. C'est non seulement qu'il y a des effets collectifs, mais il y a aussi des effets individuels. Quand on essaie d'être innovant et de s'écarter de la définition des objets, on bute sur un problème finalement un peu bébête, qu'on peut illustrer de la façon suivante, c'est un problème qu'on appelle de fixation. Alors, je vous l'illustre par un cas qui n'est pas un cas très innovant, c'est juste un petit casse-tête. Comment faire bouger une allumette pour transformer cette étoile en un carré? Donc, supposez que ces bâtonnets sont une allumette, on va en bouger une pour faire un carré. Alors, on pourrait bien sûr vous donner plein de ressources, nous permettre de travailler pendant des années, avoir des dizaines de milliers d'idées, surtout d'imaginer à nouveau en temps d'Internet, on imagine ce qu'on pourrait faire. Et finalement, l'énorme difficulté ne va pas venir de là. L'énorme difficulté va venir du fait que, voilà, une des solutions, c'est que le carré n'est pas un carré. C'est-à-dire que quand je pose l'énoncé comme ça, on voit un carré géométrique. Et on a beaucoup de mal à se dire, finalement, carré, il y a plusieurs sens du mot carré. En particulier, il y a le carré algébrique, donc un 4, c'est le carré de 2. Et finalement, on s'est fait avoir par l'énoncé, et on a été fixé à le carré géométrique sans voir le carré algébrique. Supposez que vous ayez maintenant un travail à faire sur le vélo innovant, ou sur la voiture innovante, ou sur le semi-conducteur innovant, le microprocesseur innovant, mais aussi dans vos domaines. J'entendais des travaux absolument remarquables sur les imageries, l'imagerie innovante. On risque quand même d'avoir quelque chose qui va jouer dans le même, de la même façon. Comment s'en protéger? Alors sachez qu'en plus, si on vous dit que ça vous allez être fixé, ça ne va pas vous aider pour autant. Il y a des expériences assez terrifiantes. Alors celle-là, c'est une expérience sur dessiner des animaux imaginaires. Ça a été reproduit des dizaines de fois.
Tous les animaux qui sont dessinés avec un systématisme terrifiant ont tous généralement une tête, des yeux et des membres. C'est peut-être des ailes, pas tout comme mais globalement, vous avez énormément de mal, quand on vous dit animal imaginaire, à dessiner une barre d'amexine ou un protozoaire. Et si on vous dit que vous allez être fixé, par exemple là, c'était inventer un jeu original, et on vous dit, bah, pensez par exemple à un jeu qui serait s'échanger une balle, et puis on compte les coups. Et bien, avec une constante, et on vous dit, attention, vous allez être fixé, par exemple, on vous donne. Et bien, les gens, malgré tout, vont tous partir sur quelque chose qui va ressembler à des jeux carrés. C'est tout à fait étonnant. Donc, c'est difficile. En fait, la fixation est vraiment un phénomène profond et difficile à surmonter. Alors, ce qui veut dire qu'en termes de conception et d'organisation, on a finalement un problème qui change assez profondément de nature. Là, je prends ma casquette de gestionnaire. Si vous devez organiser un collectif ou un groupe, former les individus à être innovants, on est en train de passer d'une situation où on avait formé les gens à bien décider, à trouver la meilleure solution à un problème donné, à trouver la meilleure alternative dans un ensemble d'alternatives. Donc on était vraiment parti dans, finalement, un bon manager, c'est quelqu'un qui décide bien. Et brutalement, la question devient, mais au fait, est-ce que l'ensemble des alternatives sur lesquelles vous partez, est-ce que le problème, est-ce que le cadrage sur lequel vous êtes parti, est le bon? Et donc votre question devient, est-ce que l'ensemble des idées qu'on m'a proposées, des alternatives que j'ai, n'est pas biaisé? D'où l'ensemble de questions un peu bêtes qu'on peut poser, c'est si j'ai un ensemble d'alternatives, qu'est-ce qui me permet de dire que je couvre bien l'ensemble des alternatives pensables à un moment donné, ou qu'au contraire, je suis biaisé? D'où trois questions classiques en gestion qui vont être, est-ce qu'il y a un biais? Est-ce qu'on peut le mesurer? S'il y a un biais, à titre de causalité, à quoi est-il dû? Et éventuellement, peut-on s'organiser pour surmonter ce biais? Donc, y a-t-il fixation? À quoi est-elle due? Et peut-on s'organiser pour la surmonter? Donc voilà un petit peu l'objectif. Et l'idée, c'était, là, pour faire ce problème, on a un problème quasiment d'instrumentation, c'est juste le trait rouge. Comment est-ce que vous êtes capable, sur un problème donné, de faire la liste des alternatives pensables à un moment donné sur une question? Et d'une certaine façon, les théories contemporaines de la conception sont parties de cette question-là. Alors, les théories de la conception, c'est une question assez ancienne. Donc on pourrait revenir à des théories des années quasiment 1950, qui avaient expliqué que, en gros, si on veut bien penser les alternatives, et bien finalement, il faut raisonner, et vous allez trouver des choses pas très originales. Bien penser les alternatives, c'est d'abord faire la liste des fonctions auxquelles doit répondre le problème, faire la liste des solutions ou des alternatives technologiques disponibles, et se débrouiller pour trouver la meilleure combinaison d'alternatives adressant les fonctions. C'est une logique, finalement, qui caricature beaucoup les travaux, mais globalement, c'était à peu près ça. C'est une logique du Lego, encore une fois, pour vous illustrer le propos. On va considérer qu'on a plein de briques de Lego disponibles, qu'on a un client ou un donneur d'ordre qui arrive en disant « j'ai des nouvelles functional requirements, et pouvez-vous me faire avec vos Lego ben, ?» Par exemple, ce genre de petit bricolage, alors ça c'est un bureau d'études qui travaille moyen, puis vous avez un genre de bureau d'études d'un haut niveau, voilà. Faire un tigre en Lego, voilà. Et, d'une certaine façon, au sein de ce monde-là, on a déjà une cartographie assez importante. On va être capable de diverger de façon importante. Mais la question qu'on a, ça c'est des anciennes théories, ça permettait déjà, quand même, ça se traçait un trait rouge assez ambitieux. Mais la question aujourd'hui est d'un autre ordre. Elle va être de dire, attendez, quand vous faites la liste des fonctions, et quand vous faites la liste des design paramètres, est-ce qu'on n'est pas fixé? Et donc, est-ce qu'on est capable d'élargir la liste des fonctions et d'élargir la liste des design paramètres? Alors, ça donnerait un truc un peu dingue en Lego, mais de quelle façon, étant donné un ensemble de briques de Lego, vous êtes capable de penser un objet qui n'est pas faisable en Lego? C'est ça l'enjeu. Vous voulez sortir de la boîte à partir de la boîte. C'est ce genre de truc assez rigolo. Quelqu'un s'est amusé à faire un trucage, un Lego est cher. C'est une forme qui, en 3D, n'existe pas. Et s'est amusé à faire un Lego. Donc, évidemment, on a une sorte de paradoxe où Lego conduit à un objet qui n'existe pas. Si vous pensez à ce qu'on fait aujourd'hui avec les Lego, en banage, je vais dans les Lego aujourd'hui, il y a tout le monde du réel, évidemment, mais sachez qu'il y a tout un monde du virtuel, qui a une place extraordinaire. Donc, ce genre de truc un peu dingue. Finalement, c'est pas complètement sans lien avec ce que je dis les industries. Donc, comment est-ce qu'on peut penser les nouvelles fonctions et les nouvelles technologies? C'est ça l'enjeu des théories de la conception contemporaine. Pas seulement trouver l'ensemble des combinaisons pensables au sein d'une boîte, mais aussi sortir de la boîte. Alors, il y en a plein de théories. Hein. Depuis une trentaine d'années, il y a vraiment un renouveau massif des théories de la conception. Il y a une école japonaise, il y a une école israélienne très très dynamique, une école américaine très dynamique, et puis il y a une école française. Qui a un
aujourd'hui jouent un rôle assez majeur dans la régénération de la discipline, je vais y revenir. Alors ces théories, on peut les classer, en gros, dans leur capacité à passer de situations où on a un ensemble de règles, où on s'intéresse à toutes les combinaisons possibles, donc c'est très proche du ego, jusqu'à des situations où ce qui va nous intéresser, c'est utiliser l'ensemble des règles pour sortir de la boîte. Et en gros, là, on peut les hiérarchiser dans leur capacité à avoir une, ce qu'on appelle une puissance générative. Est-ce que vous sortez un peu, beaucoup, très loin de la boîte actuelle ? Alors, c'est pas seulement à la distance, mais c'est aussi quand vous êtes sorti, il faut quand même recomposer. C'est pas parce que vous avez pensé un nouvel objet hyper original qu'il ne faut pas rediscuter. Vous avez la Twizy, la voiture, ce n'est pas une voiture. Il faut quand même rediscuter toutes les voitures. Donc, on a à voir, toutes les théories vont avoir aussi un enjeu, à la fois à sortir de la boîte et en même temps à repenser la remise en ordre des boîtes après, leur, après la suite. Donc, les enjeux aujourd'hui, ça va être cette bien en générativité et cette capacité à penser la réorganisation des connaissances au fur et à mesure. Je ne vais pas les évoquer toutes les cinq qui sont là, je vais insister sur celles qui sont nées à l'école des mines, sur celle qui est née à l'école des mines, pour vous donner une petite idée de cette logique de la générativité et comment, voir comment on trace le trait rouge. Alors, c'est très très caricatural, mais en gros, finalement l'idée de base de la théorie, c'est de dire, quand on est dans une situation de conception, il y a des propositions, des phrases, en particulier l'objectif qu'on cherche à atteindre, qui ont un statut très bizarre. Et ces phrases ne sont ni vraies, ni fausses. Alors, typiquement, par exemple, là j'en ai une, c'est un bateau qui vole. Mais on pourrait en trouver plein. Un antibiotique sans résistance, d'une certaine façon, c'est une formule qu'on peut tous comprendre, qui est parfaitement interprétable, je ne dis pas de mots inconnus. Et en même temps, la phrase que j'écris, eh ben, je ne sais pas dire si elle est tout de suite vraie, ou je ne peux pas dire non plus qu'elle soit irrémédiablement fausse. Donc il y a une sorte d'entre-deux, où la phrase, pendant un certain temps, pendant le travail de conception, va être à la fois ni vraie ni fausse. Et c'est ce statut très intéressant de ces propositions qui va permettre de commencer à travailler. Alors, vous identifiez des propositions ni vraies ni fausses, et vous, évidemment, vous faites le contraste avec des propositions qui, elles, ont un statut logique ferme, elles sont soit vraies, soit fausses, on peut même appliquer des probabilités, elles sont vraies à 80%, des possibilités, en fait, tout un tas de logiques marrantes, mais globalement, dans le monde des connaissances, les propositions ont un statut logique. Ici, on va respecter les propositions qui ne seront pendant un certain temps ni vraies ni fausses. Et sur ces propositions, on va, d'une certaine façon, être conduit à tenir une sorte de vision créative. On dira, ben, le bateau qui vole, je le vois comme un ballon, ou comme une aide volante, ou éventuellement, si j'ai travaillé dans la zoologie, je vois ce bateau qui vole comme un poisson volant. Donc on va avoir un monde des concepts dans lequel les propositions ni vraies ni fausses vont se déployer et on aura l'impression d'être dans un monde de créativité. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir séparé les deux. C'est-à-dire que vous avez intérêt à distinguer ce monde-là du monde des connaissances et vous voyez qu'en fait, si vous voulez travailler dans le monde de la créativité, eh bien, en fait, ça dépend des connaissances que vous aviez. Si vous ne connaissez rien sur le poisson volant, vous n'avez aucune chance d'écrire un poisson qui vole comme un poisson volant. Donc en fait, la créativité est conditionnée par les connaissances antérieures. Et en retour, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez dit un bateau qui vole comme un poisson volant, vous n'avez rien dit. Le bateau n'est toujours pas là. Donc vous allez en fait avoir un effet de stimulation venue du monde des imaginaires et des chimères pour la création de connaissances nouvelles. Si vous dites « je voudrais faire un bateau qui vole comme un poisson volant », alors vous allez très certainement améliorer les études sur les poissons volants. Donc il va y avoir une interaction entre le monde des savoirs qui stimule l'imagination et le monde de l'imagination qui stimule le savoir. Donc on va avoir un mécanisme d'interaction entre les deux, quatre multiples opérateurs, entre les deux données. La théorie de la conception invite donc à distinguer quatre opérateurs et pas seulement celui dont on a l'habitude, pour lequel on est bien formé. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'utiliser des opérateurs qui vont de cas dans cas. On a l'habitude d'être dans l'inférence, dans la modélisation, dans la déduction. Ben ça, c'est le pardon de cas dans cas. La conception va vous dire, ben non, ce qui est intéressant, c'est la capacité à repérer les moments où vous sortez de ce que vous savez pour avoir des propositions qui ne sont ni vraies ni fausses, et la capacité aussi à partir de l'imaginaire, des rêves, des chimères, et désirables, et d'aller vers de la connaissance. Et puis en plus, elle va rajouter un quatrième opérateur assez étrange, qui est un opérateur de s'élancer, qui va paradoxalement fonctionner comme un opérateur de contrôle. C'est-à-dire qu'un des résultats premiers de ce type de modélisation, c'est que vous démontrez très facilement
que la structure des concepts est en fait extrêmement déterminée. Elle est forcément arborescente. Ce qui m'a surpris, c'est que le monde des objets inconnus est en fait plutôt plus structuré que le monde des objets connus. C'est à peine une surprise quand on y réfléchit, parce qu'on est tellement ignorant qu'on structure avec le peu de connaissances qu'on a. Dans le monde du connu, en revanche, les objets ont tendance finalement à fuir un peu. On n'a jamais complètement une définition stricte. Et donc les objets vont être extrêmement riches, multifacettes, etc. Dans le monde du connu, pas tant que ça. Dans le monde de l'inconnu, pas tant que ça. Dans le monde de l'inconnu, on aura en fait une structure arborescente très vibrante. Alors depuis, on a parlé, vous savez, puisque c'est ce qu'on disait dans les années 2000. On a aussi travaillé sur les fondements théoriques, mathématiques de ce genre de formalisation, puisqu'on s'est aperçu en fait que beaucoup de disciplines avaient fait l'effort de comprendre leurs principes génératifs internes, et notamment les mathématiques, depuis les années 60, ont développé des théories extrêmement puissantes et précises sur comment on peut générer des nouvelles axiomatiques. C'est la suite des travaux de logique et de théorie des ensembles. Et il y a eu, en plus, un prix Nobel, le seul prix Nobel de logique, seul médaille jamais donné en logique à Paul Cohen en 63, précisément sur la méthode du forcing, qui est la capacité à créer des axiomatiques nouvelles. Vous partez de l'axiomatique des ensembles, et puis vous cherchez à créer des axiomatiques qui sont des extensions d'axiomatiques des ensembles. Donc il y a des fondations un peu pointues, mais je ne vais pas me faire comprendre. Alors une fois qu'on a cette théorie-là, est-ce que ça permet de revenir sur l'organisation? On va y aller doucement. Premier exercice, d'abord en chambre. Expérimentation. J'en reviens sur mon problème, je pose un problème innovant, en l'occurrence ici c'était vous êtes un concepteur et on vous demande de proposer des solutions créatives au problème suivant, faire en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas. Vous faites expérience, puis vous regardez des idées éventuellement, et la question devient, et au fait, vous en avez beaucoup, pas beaucoup, vous couvrez bien, vous couvrez pas bien. Donc il vous manque toujours la calibration. Qu'est-ce qui était pensable et les individus qu'ont-ils pensé par rapport au pensable? Alors, du coup, vous avez un enjeu de calibration. La théorie vous permet de faire la calibration. C'est-à-dire que vous faites un CK, un graphique CK, pour explorer l'ensemble des alternatives pensables, avec la théorie cette fois, sur les alternatives pour la chute d'un œuf de poule d'une hauteur de 10 mètres qui ne causera pas la rupture de cet œuf. Vous avez l'ensemble des alternatives et puis toutes les connaissances qu'on peut avoir sur les œufs, les poules, les chutes, etc. Ce que vous voulez. Donc là, vous avez la calibration. C'est des imaginaires pensables à un moment donné par l'équipe qui a fait ça. Et sur cette calibration, vous pouvez représenter en plus l'ensemble des alternatives qui s'obtiennent en fait par un raisonnement dit restrictif, c'est-à-dire en gros c'est un raisonnement de solution de résolution de problème, et l'ensemble des alternatives qui sont pensables avec une modification de l'identité de l'objet. C'est-à-dire vous avez dit quelque chose de différent par rapport à ce que c'est que le chute, ce que c'est qu'un œuf. Donc vous pouvez aussi qualifier les différents raisonnements qui conduisent à ces alternatives. Alors maintenant, vous comparez la calibration obtenue avec le résultat expérimental. Et là, le résultat est finalement conforme à ce qu'on savait. C'est-à-dire, globalement, l'individu de base est fixé. Nous sommes tous à peu près fixés sur un problème comme ça. Et en gros, si vous avez fait l'exercice pendant le temps que je vous ai laissé, vous avez très vraisemblablement pensé à un parachute ou à un matelas. Donc, soit vous ralentissez la chute, soit vous l'amortissez. Oui, c'est ça. 80% à peu près des réponses tombent dans ces deux catégories qui sont les catégories de résolution de problèmes. Il y aurait beaucoup plus de... Disons que ça demande un effort supplémentaire pour penser qu'on pourrait congeler l'œuf, qu'on pourrait jeter la poule avec. Si vous donnez aux gens un exemple, vous leur proposez, par exemple, vous leur dites, l'équipe concurrente a pensé, concurrente pour faire un peu de compétitivité, l'équipe concurrente a pensé à un parachute. Alors là, c'est catastrophique. Vous faites encore plus des parachutes. C'est excellent. Mais si vous dites, il y a une équipe qui a pensé à dresser un aigle pour rattraper l'œuf au vol, alors là, brutalement, on comprend que tous les coups sont permis. Et qu'en fait, c'est défixant. C'est-à-dire, certains exemples vont être fixants et d'autres exemples vont être défixants. Et vous avez un effet de l'exemple sur la psychologie industrielle. Ce qui est intéressant, parce que du point de vue de la gestion, ça veut dire qu'il y a en fait un enjeu de l'autorité qui ne va pas forcément se substituer aux équipes, mais qui va essayer de fournir aux équipes les conditions d'une pensée créative. Alors là, c'était en chambre. Après, on s'est amusé à faire le même exercice, c'est un tout petit peu plus méchant, sur un sujet industriel réel. L'autonomie, les systèmes d'aide à l'autonomie des personnes âgées. Concept. Alors, concept réel hein, qui correspond à des programmes européens, des programmes de clusters, il y a un gros cluster dans la région là qui finance ce genre de projet.
Pareil, vous faites l'exercice, l'ensemble des impératifs pensables, des connaissances, ainsi de suite. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est là pour voir les experts, vous voyez les gériatres, vous voyez les familles, vous voyez les proches, vous voyez les pratiques internationales. Enfin, il y a un travail de fond à faire. Hein. Là, c'est un gros, gros travail. C'est plusieurs mois de boulot hein, pour arriver à un graphique. Là, vous n'avez presque rien, c'est juste les entrées de chapitre, hein, mais il y a des centaines de pages derrière chaque fois. C'est vraiment gros. Et puis, vous positionnez là-dessus, non pas ce que les gens ont eu comme idée, mais vous positionnez par exemple les projets financés, ces petits points noirs, financés par les clusters ou par l'Europe. Donc c'est le cluster Rhône-Alpes et l'Europe. Et là, c'est plus inquiétant parce que vous vous apercevez que sur un sujet comme celui-là, la plupart des projets consistaient, alors ça a quelques années maintenant, mais consistaient il y a quelques années, à faire des capteurs repérant que la personne âgée est tombée chez elle. Ce qui est très intéressant, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Mais pour le dire un peu bêtement, ça n'a jamais empêché personne de tomber, quoi. Alors vous pouvez vous dire, oui, c'est bien connu, parce que les gens n'ont pas investi, etc. Mais d'une certaine façon, quand vous allez voir ensuite les interlocuteurs et que vous leur demandez, est-ce que c'est vraiment parce que vous avez rendu un arbitrage de faisabilité ou de marketabilité de vos idées, est-ce que vous n'auriez pas pu obtenir un résultat de ce type-là, aller chercher des débats plus originales? La réponse, c'est en fait, c'est quasiment les mêmes capteurs. Repérer un pli dans le tapis qui va vous faire tomber ou repérer que la personne est par terre, c'est quasiment les mêmes capteurs. Donc il y a une affaire de fixation assez surprenante. Alors ça, du coup, je vais être obligé de passer un peu. On l'a fait aussi sur le chanvre. 3 minutes, c'est bon. Ouais, je fais la dernière partie. 5. Non, je vais faire 3. Donc sur le chanvre, on s'est aperçu qu'il y en avait deux phases. Là, c'est pas la théorie qui a servi, mais on a vu sur le chanvre. En fait, passé la phase de l'infant orpheline, il y a eu une deuxième phase qui est apparue. Là, vous avez le nombre de brevets déposés sur la construction en chanvre à partir du milieu des années 90. Il y a une phase d'explosion assez étonnante. On a étudié un peu en détail. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait eu un changement organisationnel. Je vais passer tout ça. Il y a eu un changement organisationnel très très fort. Une équipe d'une des coopératives s'est intéressée, s'est demandée si les entrepreneurs qui se lançaient dans la construction en chanvre balayaient bien l'ensemble des alternatives. Et très vite, ils se sont aperçus que non. C'est-à-dire qu'ils ont pris eux-mêmes en charge l'idée de la génération des alternatives. Ils ont complètement réouvert ce qu'on peut penser derrière construire en chanvre. Donc ils ont fait ce travail, d'une certaine façon, d'ouverture de la boîte, de fabrication, de la calibration, du trait rouge, et ils ont progressivement réussi à totalement défixer le secteur. C'est très très impressionnant, et d'une certaine façon, ce qui apparaît à la suite de ça, c'est un travail dans lequel vous voyez des architectes, des chercheurs, quelques entrepreneurs, les représentants des coopératives en question, qui vont travailler ensemble pour en permanence, pas dire voilà sur quoi on va travailler, pas décider quel est le projet sur lequel il faut miser, mais toujours dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes qu'on ne traite pas, c'est-à-dire tenir à jour la liste des questions ouvertes. Et dès qu'apparaît un moment où on dit ça y est, on a trouvé la solution, et un moment est apparu un tel moment, c'est-à-dire qu'on a dit ça y est, on a une solution pour la construction en chanvre, on va aller à la garantie décennale, il faut des surfaces enclavées, on y va. Eh bien, l'association Construire en chanvre va publier une tribune, je crois que c'était dans le journal du Sud-Ouest, publier une tribune pour dire attention, la construction en chanvre, ça n'est pas prêt. Pour dire non, on ne veut pas de financement, pour l'instant, ça n'est pas prêt. Justement pour éviter un effet de fixation massif lié à des ressources financières et pour permettre que pendant encore un certain temps, on continue d'explorer large. Pensez aux financeurs capables de faire ça. Hein. C'est un comportement tout à fait étonnant. Qui, du point de vue de la soutenabilité des explorations et du point de vue de la soutenabilité globale de ce qui s'est fait ensuite sur construire en chanvre, était certainement le meilleur réflexe, mais qui est quasiment impossible à faire dans une situation industrielle classique. On voit apparaître aujourd'hui des acteurs qui sont de plus en plus capables de faire ça. Et c'est eux, ces architectes de l'innovation, qui vont en fait être garants d'une sorte d'exploration équilibrée des pensables à un moment donné. Alors, je suis en votre main dans le monde du chanvre, mais la bonne surprise, c'est qu'on en trouve d'autres. Alors on a trouvé dans le monde des semi-conducteurs, alors eux c'est les plus massifs, c'est-à-dire qu'après ces études-là, on a trouvé dans le monde du semi-conducteur, ils faisaient ça, mais à la hauteur de milliers de chercheurs et d'industriels. L'ITRS, c'est celui qui fait la loi de Moore, là. Vous savez qui fait qu'on double tous les 2 ans, en gros, la puissance de calcul et l'énergie des calculateurs, etc. Ça se fait pas tout seul, c'est pas une loi naturelle, c'est pas là où je vais apprendre ça. Il y a des milliers de personnes qui se rencontrent tous les 4 mois pour discuter des questions ouvertes par la loi de Moore dans 2 ans, 4 ans, 6 ans, et jusqu'à dans 20 ans. Et en permanence, c'est est-ce qu'on a bien pensé tous les impensables? C'est très très étonnant. C'est des mécanismes
qu'on n'avait pas vraiment identifié jusqu'à présent. On s'aperçoit que les grands inventeurs de la révolution industrielle, je vous parlais des premiers inventeurs dans leur garage, les Watt, les Boulton, les Wedgwood, ces gens-là ont fait ça. Vous les avez tous autour de la table, ça s'appelle la Lunar Society. Les grands inventeurs des révolutions industrielles n'ont jamais travaillé seuls dans leur garage, ils travaillaient généralement tous ensemble à penser le progrès futur. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en plein déploiement. Alors, on l'a aussi vu chez vous, on travaille aujourd'hui sur des métaprogrammes, justement sur les antibiotiques sans résistance. Il y a eu des travaux intéressants faits sur les écosystèmes innovants par Elsa Verté dans la région de Niort, là, juste à côté. Donc, il y a comme ça des travaux tout à fait étonnants. On voit des acteurs qui vont se saisir de la question innovante, pas pour la traiter eux, mais pour aider à ce qu'un ensemble d'acteurs la traite. Je vais finir là-dessus. Mais donc, ce qui apparaît, c'est que cet acteur est nécessaire. C'est pas un entrepreneur, c'est pas une entreprise. Ça peut prendre des formes incroyablement variées, des grandes associations, parfois des acteurs privés, c'est très bizarre. Sa mission finalement essentielle, c'est d'éviter l'effet d'innovation orpheline. Ça ne se fait pas tout seul, ça suppose des méthodes en fait assez pointues, ça suppose sans doute des formations, une capacité à être très sensible à la modification d'identité des objets, une capacité à être très sensible aussi à l'exploration, à éviter les fixations en gros. Donc globalement, on sent qu'il y a des enjeux théoriques derrière pour ces acteurs-là. On a eu l'honneur d'écrire quelques papiers sur notamment le statut économique de ces acteurs. Si vous considérez cet acteur, finalement, c'est un monopoleur, vous aurez tendance à interdire son existence, ça serait un peu dommage. Mais vous apercevez que ça marche s'il y a un inconnu partagé et pas approprié. C'est-à-dire, si vous dites « le cloud computing, c'est moi », bah, vous risquez quand même de bloquer beaucoup, beaucoup de choses. Des méthodes de la formation et des enjeux de gouvernance massifs, puisqu'elles supposent des formes de coordination entre les acteurs qu'on n'a peut-être pas complètement pensé, mais qu'on va certainement inventer dans le futur, en tout cas on peut l'espérer. J'ai eu l'impression, en écoutant votre topo, que l'un des processus particulièrement fixateurs était la peur de l'échec. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que ça n'a pas un effet de restriction très important? C'est-à-dire que si on est... Ça tourne autour du lien entre l'innovation et la compétitivité, mais si on a cette obsession-là, est-ce qu'on n'est pas immédiatement et très vite conduit à s'interdire d'élargir les solutions? Il y a un premier... Mais la question que vous soulevez d'abord, c'est la question de l'émotion. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce type de situation, il y a un effet de stress, d'inquiétude, voire d'angoisse, parce que c'est une situation qui est très très forte. Ceci dit, si vous prenez des grandes situations historiques, globalement, on a passé notre temps à essayer d'inventer des façons de se rassurer. Et on peut considérer qu'avoir une bonne méthode, c'est une façon de se rassurer. La bonne surprise, c'est qu'en fait, vous faites mieux avec une bonne méthode qu'avec beaucoup de hargne et d'agressivité. On s'est même amusé à tester les formations, par exemple. Si vous êtes formé à ces cas, est-ce que vous faites bien? Vous êtes plus efficace en... La réponse est plutôt oui. Donc on peut avoir des méthodes qui rassurent. Si vous prenez par exemple la formation des artistes, dont on pourrait se dire qu'eux sont confrontés à l'inconnu en permanence, bah, une école artistique, ça ne dit pas aux gens « prenez des risques », ça ne dit pas aux gens « n'ayez pas peur », parce qu'on a peur, quoi. Non, ça dit aux gens « il y a des méthodes ». Pour être un bon artiste, il y a des méthodes. Ça ne veut pas dire que vous serez un artiste comme les autres, mais vous allez, s'il y a des écoles d'art, c'est en fait qu'il y a des choses qui peuvent s'acquérir, et notamment la capacité à rediscuter des arts passés, de formes de valeurs dans la société. Donc en fait, on peut se former, et c'est peut-être une des façons de ne pas avoir trop chaud. Deuxième dimension de votre question, c'est la question plutôt économique. Au-delà de la question psychologique, la question économique. Alors, le point intéressant, c'est que les outils économiques qu'on a développés pour évaluer l'innovation sont adaptés au régime, qu'on a appelé, je ne vais pas utiliser, mais de conception réglée. C'est-à-dire que, généralement, vous comparez des alternatives, vous êtes capable, sous les alternatives, de donner la valeur du marché, la probabilité technique, et puis vous faites, par exemple, un calcul de ROI, un calcul de VAN, de valeur actualisée nette, et puis vous prenez le projet le plus rentable. On peut montrer très facilement, d'ailleurs, hein, que dès que vous êtes dans des situations où c'est de la conception innovante, ces calculs sont juste faux. C'est tout bête, mais tout simplement parce que quand vous comparez l'investissement, vous comparez des objets qui sont normalement censés être indépendants les uns des autres. C'est soit I1, soit I2, soit I3, ils sont indépendants. C'est quelque chose qui nous vient de l'investissement dans les machines. Ici, vous avez tous la même racine. Hein. Si vous êtes sur l'antibiotique sans résistance, la piste 1, la piste 27, la piste 34, vous en avez beaucoup en plus, elles sont toutes des antibiotiques sans résistance. Elles partagent très fréquemment des connaissances communes. Donc l'hypothèse d'indépendance des idées est une hypothèse fausse. Elles sont toutes interdépendantes.
Et donc, en fait, ça suppose des calculs économiques beaucoup plus sophistiqués. Et la mesure de l'échec ou la mesure de la réussite dans ce type de situation doit être assez profondément modifiée. Alors, je pourrais vous envoyer une publication assez intéressante, mais typiquement, vous voyez bien qu'un projet qui aurait été lancé, qui ne donnerait pas lieu immédiatement à un produit, va généralement avoir des effets, notamment en termes de connaissances ou d'exploration, extrêmement intéressants. Et donc, ce qu'il faut mesurer, ce n'est pas le projet singulier, mais la séquence des projets associés. Et ça suppose en fait des périmètres de mesure qui ne sont pas ceux du projet singulier. Donc c'est vrai que derrière, il y a des enjeux de calcul qui sont assez lourds. Hein. Ce qui veut dire aussi des enjeux d'organisation. J'avais une question à propos de ce nouvel acteur de l'appeler architecte de l'inconnu, et qui me semble ressembler pas mal à ce qu'on appelait l'innovation broker dans l'intervention qui va suivre sur le PMU. Et en début d'intervention, vous avez quand même signalé que les dispositifs de soutien à l'innovation, enfin, la conception de l'innovation, ça a quand même plus d'un siècle. Et en fait, je suis étonné qu'on découvre seulement maintenant l'intérêt et la pertinence de ce type d'acteur-là. Comment vous expliquez ça? Justement, c'est... Alors, typiquement, par exemple, on va travailler sur la question du broker. C'est important de nuancer ce qu'on appelle, de modéliser proprement ce qu'on appelle un broker. On aura tendance à modéliser un broker comme quelqu'un, un broker financier, c'est quelqu'un qui met en contact un plus grand offre, une plus grande demande. Mais ce n'est pas quelqu'un qui reformule l'objet de la transaction. Or, l'architecte en question, il fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « j'ai quelque chose à vendre dans la construction en chambre », il dit d'abord « au fait, construction en chambre, qu'est-ce que ça peut être ?» Et il ne demande pas aux gens, parce qu'il sait qu'a priori, ça ne va pas marcher. Donc il va faire tout le boulot de construction, on pourrait dire de construction du marché, si on peut dire, et éventuellement de constitution de coalition, de constitution d'alliance. Donc dès qu'on dit « broker », on considère que l'objet est figé, et qu'on vise un deal commercial entre un offreur et un vendeur. En fait, le rôle de l'architecte, c'est presque le contraire. C'est-à-dire qu'il va complètement modifier l'objet sur lequel on bosse, et il va constituer des coalitions d'acheteurs et de vendeurs complètement surprenantes. Mais à tel point qu'on a vu des cas intéressants sur des contests, des concours d'innovation, dirigés comme ça par un architecte bien connu, le résultat est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, tout le monde a gagné. C'est très étrange. Le point, c'est un peu comme le TRS, c'est pas de la sélection. Vous cherchez pas le winner du contest. Vous cherchez ce qui va permettre de complètement reconstituer la capacité d'exploration sur une thématique donnée. Donc déjà, du point de vue de l'analyse, c'est pas évident à repérer ces acteurs-là. Du point de vue des doctrines qu'on a tendance à utiliser dans ce type de situation, c'est pas non plus les doctrines économiques standards dans lesquelles on a l'impression que c'est l'échange et l'incitation qui va jouer. Puisque vous êtes en train de reconstituer les acteurs nouveaux et reconstituer les objets, qui sont précisément ce que l'économie ne fait pas. Vous savez que vous commencez un modèle économique en disant « étant donné une liste d'objets, étant donné une liste d'acteurs ». Cet acteur-là, il fait le contraire. Il dit, supposons que la liste soit incomplète et que les acteurs ne soient pas les bons. Marine Agoguet, qui a fait un travail absolument remarquable, qui a fait d'un côté la chute des œufs et de l'autre l'autonomie des personnes âgées. Et donc, elle a testé en disant, est-ce que finalement, le patron de cluster n'aurait pas intérêt à se balader avec un exemple pour que les gens finissent par décaler un peu? Ça va marcher modérément. En revanche, ce que le financeur et ce que l'organisateur du cluster a fait, c'est de mettre en place un comité qui, lui, avait connaissance de la roadmap qui était là. Il avait connaissance de l'alternative. Et donc le rôle du comité, c'était de dialoguer avec un ensemble d'entrepreneurs pour leur dire « Mais dites, pourquoi vous partez tous là-dessus alors que juste à côté, il y a des trucs qui ont l'air finalement relativement faisables et sur lesquels on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de marché, au minimum, par exemple. » Et globalement, c'est le comité d'évaluation qui a progressivement organisé une diversité naissante dans les explorations. Et finalement, globalement, ça commence à être intéressant. Il commence à parler des choses assez marrantes. Et puis l'autre chose de bête, c'est que là, il y en a quelques-uns qui ont réussi à survivre. Ils disaient des choses qui étaient... C'est pas qu'il n'y a pas de marché, hein. Eux, par exemple, ils avaient pensé à un truc qui était de la lumière pour que des gens très très déficients cognitifs permettent au moins de donner un petit signal sur l'état dans lequel ils sont. Juste avec une communication par la lumière. C'est évidemment le designer qui pensait à un truc pareil. C'est un truc... évidemment, c'est malin, vous voyez. Et progressivement, c'est en train de marcher. C'est pas qu'il n'y a pas de marché, encore une fois. C'est juste qu'il fallait les protéger contre l'idée qu'on finance que des capteurs pour repérer que les gens se trouvaient par terre. Oui. Allez. Oui, dans la plupart de vos exemples, il y a une question de départ. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, où on trouve quelque chose un peu par hasard sans avoir cherché au départ, par un hasard de l'eau. Et comment vous faites intervenir cette notion-là dans vos chemins? Il y a plusieurs façons de dire. Le...
La première chose à dire, c'est que ça dépend assez peu de la question de départ. Hein. Aide aux personnes âgées, c'est pas, oui, la question n'est pas fabuleuse. Et en fait, le point très intéressant, c'est d'être capable de repérer les moments où, notamment, ce que vous appeliez autonomie, ce que vous appeliez personnes âgées, ce que vous appeliez même aide, va être changé. Là, il y a eu un très gros travail, par exemple, pour qualifier ce qu'on appelle la fragilité. Là, c'est la notion d'autonomie, la notion de fragilité. Donc, souvent, c'est au cours du raisonnement que les points un peu créatifs, un peu originaux vont apparaître. Et donc, le raisonnement aide à mettre le doigt sur ces ruptures et à ne pas les laisser un peu isolées. Ça veut dire, par exemple, si vous tombez sur une idée originale, vous risquez de ne pas l'avoir. La théorie va vous aider à la repérer et à repérer son caractère un peu divergent, un peu discussion d'identité des objets. Maintenant, si cette idée vient de l'extérieur, si elle vient, par exemple, d'une combinaison de connaissances externes qui, par combinaison, viendrait des choses intéressantes, ça suppose des manières en fait un peu plus compliquées. Mais encore une fois, au moins, on a un traceur, si vous voulez. Au moins, on a la chambre à vide qui permet de repérer les particules quand elles viennent. Donc, si vous avez bien fait le boulot, vous arrivez à repérer des connaissances qui vont brutalement impacter très fortement ce que vous avez fait jusqu'à présent. Le référent, constituez là des référentiels qui n'ont pas pour vocation d'être stables, ils ont juste pour vocation de vous aider à réagir si un truc, une idée originale arrive et vous ne l'avez pas sur votre référentiel. Alors là, vous renique tout, parce que vraiment, il y a quelque chose de très très violent. La surprise, c'est qu'en fait, c'est très stable. Hein. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs expériences faites, par exemple, sur la chute des œufs, pour rester dans un domaine modeste. Mais sur la chute des œufs, après plusieurs centaines de brainstorming, différents protocoles expérimentaux, il n'y a pas eu de remise en cause du référentiel. C'est assez bizarre. C'est presque un peu dommage. C'est un secteur un peu robuste, bien travaillé, qui tient longtemps. Allez, dernière question. Une dernière remarque, juste par rapport au concept d'innovation qui vise à la création d'un produit, on en a parlé plusieurs fois, et dans notre domaine d'activité qui est aussi spécialisé autour du paysage, du cadre de vie, de l'écologie, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans des innovations sociales, des évolutions de perception, de conception de la vie, et donc du coup, on n'aboutit pas forcément à des produits, on est plutôt sur des conseils généraux. Donc vous l'avez cité un peu sur les personnes âgées, ça pourrait être assez proche dans la réflexion, mais du coup, comment aussi, est-ce que cette notion d'innovation sociale, sociétale, rentre aussi dans cette logique, c'est très adapté à l'industrie et à la compétitivité? Il y a une réponse très théorique qui est de dire qu'en fait, du point de vue des formalismes, ça dépend juste de la structure des connaissances, donc ça permet de travailler sur beaucoup de choses. Juste pour vous répondre d'une façon qui ne soit pas une pirouette, on a utilisé ces choses-là pour travailler sur des choses de design ou d'art. On a beaucoup, par exemple, analysé les cours de Bauhaus. Et vous savez peut-être que la logique du Bauhaus, c'est de former des artistes capables de penser le style de la société de demain. C'est-à-dire penser le style qui ferait société de demain. On est dans quelque chose qui peut ressembler un peu à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il fallait penser la façon de vivre ensemble, quasiment. Le style qui permettait de vivre ensemble, de façon adaptée à l'Allemagne du 20e siècle, des années 20. On peut au moins analyser ces cours-là dans ce langage-là de façon assez rigoureuse et essayer de comprendre comment ils travaillent. Ceci dit, c'est vrai que ce type de structure de connaissances exige évidemment des formalismes un peu différents. Ce n'est pas forcément les valeurs sociales qui posent le plus de problèmes, mais dans la situation où vous êtes, une des choses qui m'intéresse, c'est par exemple les interdépendances entre connaissances et notamment les systèmes, ce qu'on appelle généralement les systèmes sociotechniques. La modélisation des systèmes sociotechniques aujourd'hui représente des challenges intéressants. Comportement. Parce que ce que vous cherchez à faire, c'est changer le système sociotechnique.